Ah, salut YouTube! Alors, est-ce que tu te rappelles? En janvier 2015, je suis passé top 1 légende. Si c'est vrai, vous pouvez googler. Et j'ai joué un deck incroyable. Druide double combo. Et je vous propose ce druide maintenant. Alors, il y a quoi dans ce druide? Il y a croissance à 2, MDR. Et surtout, il y a force de la nature et rugissement sauvage. Pour la combo à 18 points de dégâts, 14 points de dégâts, vous connaissez, ou à 22. Si vous connaissez pas, vous allez voir dans la vidéo. On est sur Hearthstone classique, vous l'avez compris. C'est pour ça que vous êtes déjà abonné à la chaîne et que le code est dans la description. Point. En dehors de ça, nous avons petit mage de Santalnos pour la droite avec Drakazur, deux Blue Nourish parce que ça permet de vraiment piocher, petit ancien de la guerre pour tanker, Sylvanas Ragnaros parce que c'est beau geste et c'est extrêmement fort, Yeti car on est jamais sans mon Yeti, évidemment, comme à l'époque, Golem des Moissons parce que ça stick le board, ça permet de bien résister, ça permet de mettre des points de dégâts rapidement. Puis voilà, on n'a que des bonnes cartes. Hein. Balayage et colère chopent bien les puissances des sorts. Gardien du bosquet silence bien. Alors le deck est modulable, on peut mettre Scenarius. Si vous kiffez Scenarius, on peut mettre deux Lanciers de la Guerre. Si vous kiffez Lanciers de la Guerre, on peut mettre des BGH, on peut mettre enfin, plus de silence. Le contrôleur manteau, Faceless, Cairn, pour avoir des trucs qui restent sur le board. Le deck est ultra modulable. Les cartes vraiment importantes sont évidemment Innervation, Colère, Croissance, Rugissement, Balayage, Gardien, Yeti. Et encore, on peut mettre des Sengine à la place, Drake d'Azur, Druide, bim 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 bim. J'ai envie de dire que tout est dit. Je vous dis que la force soit avec vous. Je vous souhaite un excellent visionnage. Et sachez que vous êtes les meilleurs. Allez, on enlève tout ça. On récupère Innervation. Parce que ça va dans l'idée, quoi. Ah, Bien croissance. joué. Comment ça, il dit bien joué? Bah, bien joué toi-même, là. Salutations. Mes respects. Pièce synerve, vu qu'on est curvé tête 2, T3. Je vous remercie. La nature se dressera contre vous. Ah. Terrible erreur. Petit golem. Par contre, on remplace Talnos. C'est exactement la question qui était posée sur tous les streams d'Hearthstone il y a 6 ans. Oh, druide. Ah, nourriche qui s'accélère. Fort. Ah, et double ancien du savoir. Par contre, on remplace Talnos par un ingénieur novice. C'est le même coup et ça fait piocher. Ou un amasseur du butin, même si c'est moins fort. Force une colère. Ah, petit innerve, bim. Double draw, bim. Oh, c'est bon ça! Oh, cette innerve! Oh là là! Oh! Oh, ce draw là! Oh, mais regardez, force de la nature avec. Oh là là! Oh! Ah oh, oui! Ouf! Oh, c'est trop! Oh, c'est trop de plaisir! Il n'y a pas de l'étal, attendez! Non, ça fait 6, 12, 17, 19. On a que 19. Mais pas loin. Alors. Franchement, tellement ce meilleur mode de jeu, ce mode classique. Ouais. Ouais. Je suis là pour apprendre. Et bah c'est. Ah non, c'est pas GG, c'est plus GG. Non, on n'est plus du tout GG. Par contre, sur Innervation, c'est gagné. Sur Innervation, mais pile poil 18. Ah, non. Petit Drake, petit Nourish. Éprouvez le courroux de la. On va pas lui faciliter la tâche.
Alors, je me demande. Après, j'ai tellement de play. Genre, même le nourriche est ok pour faire de la mana. Pour gagner un tour. Un peu nourriche balayage pour tempo. Ouf! Ouais, elle sera hors défensive vu que ça me va. Je suis là pour apprendre. Je suis là pour apprendre. Bah, c'est nice ça. On peut balayage face en plus derrière, c'est insane. Du coup, on peut nourrir en accélération, ça nous fait gagner un tour. On peut balayage face. Et au prochain tour, on a force de la nature, plus ou moins c'est létal. Tu joues vers 5 Leroy ? Non. Où dois-je frapper ? Mmh. On a pu gagner tout de suite là du coup. Quelle margoulinerie. Ah. Alors après, il y a des plays solides, genre ça. Plus ça. Et on va être bien au prochain tour. Il y en a quand même reset up létal. Non, il a pas top tech. Oh mais c'est pas incroyable. Ah mais on n'est pas mort, on a deux. Ça va. Il m'a quand même top deck la gueule très salement. Oui, double trade. Comme top deck la gueule très salement. Nous avons soif de vengeance. Là on meurt sur rien. Ah c'est bon, t'as gagné. C'était it's ok, c'était le plan safe. On meurt sur rien et on gagne le prochain tour. C'est bon. C'est bon. It's ok. J'aime. Ah, petit nourrish pour l'accélération, c'est cool. Petit nourrish. T'as nourrish à 5, c'est quand même le feu. Ça causait quoi. Oh. Alors ça c'est... Ah, never say never. Jamais sans Mouyeti. Que. Avec attaque sur la 2-4. Alors, oui, non, que quoi. Snacks, que... Non, Snacks. Snacks, il s'appelle Snacks, ça me donne faim le bordel. Il a un nom de friterie belge. On va prendre les traits, de toute façon on va pas faire le fou. Oui. Ouais. Petite énerve, bah du coup on va charger dans sa mouille un peu, histoire de pas lui laisser stack up l'armure, on n'a pas besoin de riche pour s'éclairer pour le moment. Il y en a un mur. Oh! Là il y a un petit potentiel avec le double golem. Parce que même sur baston il en tue qu'un sur trois. Donc c'est cool. Bam, badam, bam. Ah! I have no time for games. Time for games. Pardon. Allez, on le met à 11. Histoire de lui montrer qu'on n'a pas peur de lui.
Sans la baston. Ok. Coucou, je joue à Battleground sur Hearthstone. Et vraiment, je vais te payer 4€ pour avoir les avantages de Battleground? Pas du tout, Natucci. C'est 2500 gold sinon. Tu pourras payer 2500 gold quand ça sort. Et tu les auras. Ou je sais plus, c'est 10 balles ou je sais plus combien. Mais tu n'es pas du tout obligé de claquer de l'argent en masse. Heureusement. J'apporte la vie. Ouais. Alors. Permettre un peu de points et continuer à mettre la pression avec notre créature. Bonjour Théonard. En 2014, t'es chasseur le plus fort des decks. Non. Ça fait t'avais ta deck qui était fort. T'avais démo, Anzo et Handlock, t'avais chasseur, t'avais druide, t'avais mage et voleur. Ouais. Un petit rien du tout. Très bien. Donc petit double draw, on en profite. Très bien. Pioche tellement. Oh oui, Ragnaros. Ah, les démozos, c'est des mots avec plein de petites créatures. Priest aussi, que le taux à masse était bon avec. Ouais, mais c'est resté des decks qui étaient un peu en dessous de en win rate. Mais effectivement, prêtre tel jeu beaucoup joué par Amaz. Varmorop, il est mort ou il est pas mort? Faudrait que je sache compter jusqu'à 10 pour ça. Bah écoutez, quand tu sais pas compter, tu fais Ragnaros Face et puis voilà. Marmot, tu as une voix de doublage hyper charismatique, t'as pas pensé à te reconvertir? Non. Parce que je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes beaucoup plus talentueuses que moi. Et surtout j'ai deux défauts, je parle trop vite et je mange mes mots. Ce qui sont deux défauts très rédhibitoires pour s'exprimer sur des supports qui ne sont qu'à l'oral. Évidemment j'ai gagné. Évidemment. Merci Ragnaros. Ça c'est les mains T2. Ah ouais. Et il est au courant qu'il n'y a pas de Neneuil qui arrive là. Le mec il est chaud comme une baraque à frites. Alors il a cru que j'allais faire quoi à pièce pouvoir héroïque. Merci quoi. Merci pourquoi. Ça ne va pas du tout. Allez du coup pièce. Innervation. Et bim, on en gère un des deux. J'espère que ça va bien, cher adversaire. Sache que j'ai plus de mana que toi. Il faut doubler ma vote pour une pub 1000k, si seulement. Bonjour, Panda Diabolique. Alors, petit agent. Ok. On devrait druide de la griffasse. Où dois-je frapper? Pré-lac de taunt. Donc on le met comme ça. Donc bon. Ah, le sable qui part ou pas? Alors. Ouais. Ce gars ouais.
Ça fait cher payer quand même cette histoire, je trouve. Enfin, je vais pas m'en plaindre. Oh! Jamais sans mon Yeti! Je comprends plus rien derrière Soul, je fais une pause d'un an. Alors, le panda diabolique, si t'as fait une pause d'un an, tu peux comprendre. Car là, actuellement, c'est le format classique qui date de 2014. Voilà, il n'y a que des cartes de 2014. Donc, si tu ne comprends pas, c'est peut-être parce que tu n'avais pas joué Hearthstone au début. Voilà. Alors, prends petit trade. On a 18, il a 7 mana. On va mettre notre Big Taunt. Tranquille. Alors, si tu as commencé Hearthstone en janvier 2015, tu devrais reconnaître quand même pas mal de cartes. C'est l'avantage. C'est l'avantage. Alors, on n'a pas encore l'étal. Par contre, on l'aura au prochain tour avec Druide et Rugissement. 14 en tour, on a 28 sur le board. Donnez-moi une quête. Ouais. Donnez-moi une quête. Ouais. Oh oui. Bon jeu vidéo quand même. Oh, un bon jeu vidéo quand même. Ah, on joue contre Kerev. On va tout relancer parce qu'on veut de l'accélération. Eh oui, ça n'a pas changé de druide. Toi aussi Marvo, tu as fait une longue pause car sur YouTube je vois plus de vidéos Hearthstone sur ta chaîne. Alors c'est normal, le panda diabolique, je joue concrètement à Hearthstone à chaque sortie d'extension. Quand il y a une sortie d'extension, bon là t'as Hearthstone classique donc ce sera un peu plus. Généralement je suis une semaine le temps de découvrir tous les archétypes. Et puis après quand il y a des nouveautés, genre Foil sera son truc, le son brûlé et tout, je refais une semaine dessus parce que je kiffe. Et puis après je fais d'autres jeux. Voilà, c'est pour ça que des fois en fait souvent tu vas voir, il y a des gros moments où il y a beaucoup de vidéos Hearthstone. Puis après, d'un coup, il n'y en a plus pendant un ou deux mois. Et ça doit être pour Torque. Alors Torque l'a complètement arrêté, il ne fait plus que du TFT maintenant. Alors, il d'ailleurs finit deuxième au Twitch Rivals de TFT. Il a pris 6 000 $ la semaine dernière. Donnez-moi une quête. Ouais. Ouais. C'est lent cette histoire. Allez, on risque vite de bien se faire casser le cul. J'aime me faire casser le cul. Et c'est l'heure du top deck. Pas du tout. Allez hein. Au moins on incline au prochain tour si on n'est pas mort. TFT moins RNG qu'Hearthstone. Bref, c'est bonnet blanc et blanc bonnet quand même. La variance est différente, mais faut pas. Faut pas croire que. Ah, je suis déjà mort. Il y a vraiment beaucoup moins de variance entre les deux. Oh la violence du mec T5 quoi. Ah. Terrible. Tellement stonks. Ah, la violence. La violence, je suis mort T5. Bim. Ça peut se faire casser le cul. Ouais, là, j'ai bien pris cher. Allez. Malfurion contre Anilde. Levez-vous et accomplissez la volonté de Notre-Dame.
Je dois protéger la nature. Ah, les contre-guerriers. On va garder le nourri chez le Thanos. Allez. Hop, du coup. Marmotte va-t-il gagner de game de fil? Bah, la réponse était non, évidemment. Bah oui, c'était un druide. Et non, j'ai perdu la game tout de suite, T5. Terrible. Allez, malus sur Thanos. Allez. Croissance, on va tout droit. On a un nourri, je crois que c'est Ren, nourri pour Dro. Un jour, je serai une carte d'Erston. Mais j'espère, Terena. J'espère. Je te le souhaite. Sache que c'est environ tout le mal que je te souhaite. On doit protéger nos... Mon pigeon Didier. Sa place est dans un museum. Ok, his place belong to a museum. On gagne de cristaux. On pièce. Du coup, on balayage, on va tout droit. Nertoir, ouais. Ah lâche. Oh ouf. Après ceci dit, on va pouvoir poser du nourrir, du mon Yeti. On va faire un vrai board là, bim, tiens, Yeti golem des moissons, qu'est-ce que tu vas faire? L'extension sera à 19h. Ah, j'imagine que Fichou et Solari vont live dessus ce soir à la sortie. Alors là, elle va sur le Yeti ou pas? Leave my Yeti alone. Et boum. Alors, y aura le mode roguelike ce soir? Non, The Doof sortira plus tard. C'est ce qu'ils font maintenant sur une extension, ils sortent pas tout de suite. Pour en fait étaler les nouveautés d'une extension. C'est comme pour les nouveautés sur Battleground, ça arrivera pas tout de suite, pas ce soir. Douleur, c'est sur moi tes mots à l'oreille. Retournez au travail. Ah, pff, ok. Ah mais il est mort. Parce qu'on top des crugissements. Je vais sortir un truc évidemment, la marque des plus grands, bla 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 bla. Et ben on n'a pas pioché rugissement. Alors on peut quand même peut-être faire ça, hein. Où dois-je frapper? Puis on va tout droit, hein. Face is the place. Je ne suis pas informé sur l'extension, j'ai vu aucune carte, moi non plus. Moi non plus, je ne sais pas du tout quand ça se passe. Retournez au travail. Elle est sous chef. Ah, Kern. Blood ouf. Bah du coup, ça part sur un Drake. Ah bah voilà, l'horreur pour le prochain tour. Petit balai à jarder. J'ai bro, j'ai miss l'étal. Ah oui, j'ai miss l'étal, fallait faire le balayage face. Ah non, c'est bon, ça passe, j'ai pas miss l'étal, pardon. Pardon, cher adversaire.